C'est Kevin Nveka, sujet proposé par cette personne. On continue de dire la vérité aux jeunes, puis à... Ça fait 15 fois que tu sonnes. Jeune adolescent qui est après se faire influencer. La drogue, ça semble beau au début, mais... Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Dans ta tête, tu dois te dire, non, je suis différent, j'aime me contrôler. Je dis la même affaire, le gros. Ça, là, t'es mieux de gober un speed, pis de l'ecstasy. Je tombe pas dans le panneau, je suis différent, je suis néo dans ma matrice. On l'a tout déjà pensé, ça, mon chum, ça marche pas. C'est parce que n'importe aujourd'hui, je dirais que t'as pas le droit d'être fucking à jeun, hein. Ils vont tout faire pour que tu prennes de quoi. Hein, ça, qui d'ailleurs... Qu'à prendre de l'alcool, du pot quotidiennement, on fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Assez un trip de moche à la ronde. On le voit plus de la même façon. Suis-je le seul qui trouve que la cocaïne, c'est super surestimé? Tout ce que ça fait, c'est que t'es en avant de toi. Ce que tu fais, c'est courir après toi pour reprendre position dans ta réalité. Puis tu le rattrapes jamais, hein? Tu le rattrapes jamais, t'es comme... Il m'a rattrapé un jour, hein? Il y a 3 drogues aussi que je comprendrai jamais. La kétamine, le crack, le crystal meth, je peux pas comprendre. Hey, salut Kevin! Ah, je suis à jeun, j'en veux d'autres. Tu sais, c'est... Oui, oui, c'est aussi con que ça. Regarde, vous pétez la face en buvant du café noir. Hey, j'ai de l'héroïne, t'en veux-tu, là? Non, non, recule, recule. Fuck le pot, sérieux. Fuck le pot, sérieux. Fais, t'es popularisé un peu, parce que je trouve qu'il devient trop populaire pour rien. Ça a jamais tué personne, ça a jamais tué personne, ça a jamais tué personne, mais il y a beaucoup de monde qui s'en devient parano avec ça. Je sais, tous mes amis consomment du pot en quantité industrielle. Là, il y a comme une mode, hein, que les filles prennent de l'ecstasy. Ce qu'ils savent pas, c'est que ça va te fucker le dos. Attends, check back. Check back. Oui, oui, ça, je l'ai déjà pris de l'ecstasy. C'est pas des farces, man. C'est fucking pas des jokes. J'ai pas rajouté le bruit, là. Mon dos craque. Récemment, j'avais sorti avec mon frère, puis il y avait un gars qui est venu me voir, puis il me demandait de l'argent pour un taxi. Il fallait qu'il retourne chez eux pour s'occuper de ses enfants, puis il m'avait sorti une histoire. Fait que là, j'y donne de l'argent, tu sais. Là, je rentre dans le bar. Tu sais, je me dis, ben, j'ai fait ma BA, tu sais. De toute façon, c'est pas grave. Une bière de moins, ça me dérange pas. Là, plus tard, je ressors avec mon frère, le même gars. Il vient nous voir. Il vient me redemander de l'argent. Puis il s'en rappelait même plus, je l'avais aidé. Puis ça m'a affecté. Ça, je m'appelle Kevin Nveka et je vous aime. Sur ça, je m'appelle Kevin Nveka et je vous dis, restez à jeun, la vie vaut la peine d'être vécue. Et fuck l'influence. Y'en a qui se font mélodier jusqu'à plus fort été. Y'en a qui s'en servent pour plus. Ton souper, il va être bon quand tu manges. Il va être bon quand tu poches. Y'en a qui vont mieux quand on trouve de l'alcool. Y'en a d'autres qui vont mieux quand ils sont dans le manque d'alcool. Y'en a qui vont mieux quand on trouve de l'alcool.